Quiz/ 18h-21h sur Virgin Radio. Attention, nous allons jouer et Marie ne se sent pas bien. Non. Nous allons jouer au t'as mal ou t'es mal. Pourquoi tu ne te sens pas bien, Marie? Explique-toi. Je vais pleurer. Pourquoi tu vas? Qu'est-ce qui se passe? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu vois? Explique aux gens parce qu'on va vous montrer la vidéo ensuite. Il y a des yeux de poisson. Et oui, mais pourquoi il y a des yeux de poisson? Je n'en sais rien du tout. Ce n'est pas que des yeux de poisson, alors, c'est vraiment un plat. Je vais t'expliquer. Il a raison, Pietre. C'est un plat. Puisque cette émission, c'est aussi de la culture. Nous allons rendre hommage ce soir au Kyrgyzstan. Puisque c'est la fête. C'est vrai. C'est la fête du Kyrgyzstan. Ouais. Et où est le Kyrgyzstan? En Europe de l'Est. Ouais, moi, je l'aurais mis par là aussi. À côté du Boutiquistan. Le Kyrgyzstan. Non, c'est vrai, ça existe vraiment. Bien sûr, évidemment. Bah oui, c'est vrai, non, mais c'est oui, mais bien sûr. Okay. Hey, oh, regarde, vous avez l'impression de douter là. Non. Moi, j'ai jamais douté depuis 87. Dans 87, à un moment donné, je vais. Ah, peut-être. Depuis, c'est fini. D'accord. Quel est le plat national du Kyrgyzstan? Le Schplitz. Ouais, d'accord, donc c'est une vraie info. Ok, d'accord, c'est bon. Ah, on est sur de la culture là. Est-ce que, non, comment ça s'appelle? Est-ce que qui t'a inventé des mots pour mettre des mots? Des trucs crédibles. T'as déjà vu un plat qui s'appelle? Mais non, mais voici les Schplutz. Non, c'est roulé sur les aisselles. Non, mais qu'est-ce que les Schplutz? C'est très bon. Marie. Très bon. Schplutz, très bon. Qu'est-ce que Schplutz? Schplutz, c'est petit blinis. Oui. Avec tarama. Et dessus. Œil de poisson cru. Ah, délicieux. Très bien. Après, très bien. Tu fais beau transit, c'est Schplutz. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Après, il y a ton caca qui te regarde. Après, tu as caca qu'un œil et quand tu vas aux toilettes, ça fait Schplutz. Ça sort tout de suite. C'est pour ça que nous l'avons appelé Schplutz. Tout s'explique. Et d'ailleurs, ça se prononce comme ça. Les gens disent, madame, monsieur, je vous propose à manger petite entrée de l'endive et en plat principal, Schplutz. Oh, ça éclabousse. Et j'étais en train de vous dire à quelqu'un aux toilettes. La place n'est pas libre. Marie. Oui. Voici le principe du t'as mal ou t'es mal. Écoutez-moi bien, ce jeu est extrêmement vicieux. Vous avez devant vous des tapettes à souris chargées. Je vais vous poser des questions. Pourquoi ça s'appelle t'as mal ou t'es mal? Parce que si vous devez répondre, vous appuyez sur la tapette. Les tapettes à souris, c'est les buzzers en fait. C'est le buzzer. Mmh. Et là, si vous avez la bonne réponse, vous êtes sauvé. C'est l'autre qui mangera le Schplutz. Ah bon? Et oui. Ah oui. Et si vous répondez très vite, mais que vous n'avez pas la bonne réponse, vous mangerez le Schplutz. Mais si par contre, vous ne souhaitez pas appuyer sur le buzzer pour ne pas avoir mal, vous mangerez quand même le Schplutz. J'aime beaucoup ce jeu. Je crois qu'il y a une certaine tension parce que je vais être honnête avec vous. Je sais pas si on a fait un gros plan pour mettre sur Twitter, mais... C'est dégueulasse. Un blinis avec un gros œil qui vous regarde. C'est horrible. Les yeux, ils sont gigantesques. Ouais, je le regarde. Ouais. Hey Marie, courage. Vrai ou faux, le Kyrgyzstan est indépendant depuis 91. Déjà, ça fait mal. Oui, Marie. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, Marie. Ah, bravo. C'est vrai. Bravo. Jeff. Okay. Non, mais là, on se chauffe et après, on est... Jeff. Non, tu y vas. On se chauffe. Non, Jeff. Devant la caméra. Splits. Excuse-moi, je parle à notre assistant qui est devant la caméra, qui bouge la caméra. Tu vas comprendre que c'est une caméra qui est derrière toi. T'as compris que c'est pas un truc noir pour coller au plafond pour faire beau? Il sait plus où se mettre, le mec. Non, mais il y a des caméras partout. Il est devant. Vas-y, Jeff. Jeff. Allez, on y va. Splits. Très bien, Jeff. Non, croc. C'est bon. Normalement, le blinis et le tarama, ça doit laisser pas faire passer le truc. En théorie, il te pose pas de questions. Voilà. Non, il ne faut jamais boire après Schplutz. On peut avoir des herbes malades, les gars. Sur le toit et toute la famille. Le dernier qui a bu après Schplutz, il a eu 10 ans de malédiction. On continue. Bravo, mon Jeff. Marie, est-ce que tu veux que je te donne un conseil? Quoi? Le bout du doigt, c'est là où ça fait le plus mal. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je mette mes uns? Non, c'est une idée. Non, c'est pas une idée, j'ai jamais demandé ça. Non, bien sûr que non. Marie? Quoi? Les deux, hein? Les deux, oui. Les deux, bien sûr. Oui. La main au-dessus du buzzer à souris. Vrai ou faux, la fête nationale kirghize est le 14 juillet. C'était Marie en premier. C'est Marie qui l'a fait. C'est faux, c'est le 31 août. C'est pas bien. Allez Jeff, je te pose pas de questions et ensuite la question finale. Choisis laquelle? Avec le maire, j'aimais bien. Bah je vais te la choisir. Elle est où? Bah elle est plus là. On y va?
Attention. Jeff, on va le perdre. Je rappelle qu'il est en train de manger le schplutz, qui est un magnifique pays. Steph, elle est pas bien aussi. Qu'est-ce que tu fais, Jeff? Moi, je comprends bien. S'il y en a qui vomit, je vomis. Hein. C'est pas ça qui me... Je vais être honnête avec vous. Vous savez ce qui me fait le plus rire? C'est que sur ce truc-là, il y a des yeux de poissons. De gros poissons. Et ce qui me fait rire, c'est que cet été, ce week-end, il va y avoir des gens dans le 8e arrondissement qui vont aller choisir des poissons et au marché, il n'y aura que des poissons. Des barres. Que des poissons. C'est une spécialité. Le mec va dire, je peux pas vous expliquer, c'est quoi, il a fait schplops. Il a pris les yeux. Et on y va ou pas? Allez. Mais les yeux, en plus, c'est une faute. Marie, voici la dernière chose. On y va, la main au-dessus du buzzer. On y va. La frontière avec la Chine est inférieure ou supérieure à 1000 km? Marie. Aïe. Supérieure. Bien joué, c'est inférieur. 858 km. Elle va goûter les explosions. Que quelqu'un vienne me donner la main parce que ça va être chaud là. Oh, vas-y, allez, vas-y. Allez, on y va. Te pose pas de questions, Marie. Allez, allez. Le plus brillant, le plus Marie, brillant. Marie, je t'ai sauvé une fois, je peux pas te sauver. Ce jeu s'appelle le t'as mal ou t'es mal. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Ce sont des professionnels qui le font ici. Allez. Voilà, allez. Dis-toi qu'après, dans les toilettes, ça fera chplos. Cul sec. Cul sec. Qu'est-ce qu'il y a eu, Marie? Bah, elle a pas réussi à le mettre dans sa bouche. Enfin, ah, bah, Marie, tu fais un effort, Marie. C'est rentré, mais c'est sorti. Je ploute 9. Marie, ce qu'il faut, c'est que dans ta bouche, tu le plies pour qu'il soit au milieu du tarama. Arrête, c'est horrible. Et du blinis. Allez, je ploute 9. Je pense que Marie, elle va nous retourner à WeFM direct. On mangeait mieux là-bas. Ah, lundi, elle est plus là. Lundi, on tourne la radio, on va entendre WeFM, c'est Marie, c'est des malades. Non, mais non. Franchement, Jeff, il en a fait 3 ou 4. Allez, wow. Marie, tu es obligé de conclure cette séquence. Allez, Marie. Dis-toi que c'est un. C'est ton Koh-Lanta. Un bonbon. Un M&M's. Voilà. Un Dragibus. Non, mais vomis pas. Parce... Ah, je l'ai vu d'un autre angle. Ah, on a une deuxième. Bien, nous allons arrêter là. Alors, Non, voilà. Jeff, écoute, c'est une jeune femme. Elle joue là. Jeff, c'est une jeune... C'est une jeune femme, elle est malade. Tant pis, elle ne fait pas honneur au schplutz. À partir de maintenant, tu peux t'abonner. Oui, viens, abonne-toi. Hey, abonne-toi. Hey, abonne-toi. Bon, t'as compris. Et en plus, tu peux même revoir plein d'autres vidéos. Regarde, il y en a deux à gauche. Abonne-toi.